Bien le bonjour à tous. Petite vidéo qui va être ici assez courte. Petit colis, toujours reçu grâce à mon agent Sugargo. Allez, on ne traîne pas, on la fait assez simple. Petite livraison, petit colis assez simple. Je ne me suis pas trop embêté au niveau de la livraison cette fois-ci. J'ai pris E-EMS à mes habitudes. Bon, certes, vous avez entre guillemets une petite taxe à payer au niveau des douanes et compagnie, comme je vous ai déjà expliqué dans mes différentes vidéos. Là, ici, j'ai fait les choses vraiment au plus simple que possible lors de la déclaration des montants grâce à Sugargo. J'ai déclaré vraiment ça officiellement avec les vrais montants en compagnie. Et pour finir, ça n'a quasiment pas changé. Grosso modo, une fois arrivé ici en Belgique, on est arrivé à peu près à une trentaine d'euros de taxes. Au niveau de la livraison, si je ne me trompe pas de mémoire, donc de l'agent Sugargo jusqu'en Belgique, je devais être à, je pense, une cinquantaine d'euros approximatif. Bref. Alors, comment vous recevez le colis? Bah, comme vous le savez à mes habitudes, voici un petit peu à quoi ça ressemble. À chaque fois, je prends vraiment un maximum de protection. Même si ce n'est pas des gros colis, entre guillemets, c'est plus pour vous faire voir un petit peu à quoi ça ressemble. Toujours dans l'idée, entre guillemets, pour ceux qui veulent commander des baskets ou des trucs un peu précieux, entre guillemets, en passant par un agent, vous pouvez y aller, c'est déjà vraiment bien renforcé comme il faut. Voilà, donc ça, livraison E-EMS. Alors, allez, on ne traîne pas de trop, je vous déballe ça au plus vite. Je ne vous cache pas que je suis moi-même un petit peu impatient. Il s'agit seulement, normalement, de deux petits t-shirts. Mais bon, il s'agit de deux petits t-shirts que je passe régulièrement toujours par le même fournisseur. Mais je ne vous cache pas qu'au niveau des tailles, en Chine, c'est pas toujours évident. J'ai eu la blague plusieurs fois déjà d'avoir des t-shirts trop grands. Donc là, je les ai contactés, je leur ai bien expliqué un peu les différentes tailles de ce que j'avais moi-même besoin. Allez, je ne traîne pas, je vous défais tout ça au plus vite. Voilà. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Au niveau des tailles, quand vous commandez t-shirt, pull ou autre, n'hésitez pas, que ce soit à Sugargo ou même dans un Yupo, entre guillemets, vous précisez un petit commentaire à la con. Attention, européen, entre guillemets, vous mettez votre taille et votre poids. Eux, de leur côté, grâce à ça, ils vont savoir un peu sur quoi se baser, entre guillemets, pour vous envoyer quelque chose au mieux. Alors ici, on va mettre un léger petit coup de cutter. Les t-shirts, à mon avis, risquent d'être un petit peu chiffonnés, hein? Alors ici, hop, on déballe. Hop, hop. Malgré que c'est tout petit, avec le fait de passer par un agent, c'est quand même impressionnant parce qu'ils arrivent à vous protéger tout ça. Pas à dire, hein, mine de rien, c'est quand même bien protégé. Comme d'habitude, hein, les produits sont emballés à chaque fois dans des petits sacs bien spécifiques. Hop, je vais faire disparaître ça. Voilà. Bon, bah ça c'était le début de la première. Allez, début de la première vidéo, le début de la vidéo entre guillemets. Ici, je vais mettre une petite pause. Je vais couper 2 minutes, le temps de vous déballer ça. Limite peut-être de mettre un petit coup de fer pour que ça ressemble à quelque chose. Et je vous reprends de suite. Allez, à tout de suite. Et voilà, je vous reprends ensuite à la petite coupure de la vidéo pour vous présenter les deux t-shirts. Alors, fournisseur IL Factory. Je ne le présente même plus sur la chaîne. Déjà commandé pas mal de produits chez lui. Toujours au top au niveau de la qualité. Comme je vous disais tout à l'heure, par contre, IL Factory, bien faire attention, c'est au niveau des tailles. Les vêtements proposés chez lui sont de qualité, certes, mais je trouve un peu grand. Ce qui est rare, entre guillemets, surtout pour des produits qui viennent de Chine. Alors, ici, nous sommes sur un petit t-shirt, entre guillemets, Dior. Livré, bien sûr, comme d'habitude. Avec le petit sac Dior, petit produit que j'avais vu sur son Yupo qui me plaisait bien. Pas grand-chose, hormis bien sûr le petit sigle en plein milieu.
Attention que c'est un sigle, comme d'habitude, brodé. Les petites étiquettes pour les collectionneurs, comme d'habitude. Celle-ci est originale. Elle a un système de petits reliefs qui est, ma foi, très sympa. Ici, vous avez la petite étiquette Dior. C'est surtout vraiment la broderie, entre guillemets, qui est vraiment de très très bonne qualité. Je vais éviter de bouger de trop. Petite poussière sur le t-shirt. Comme d'habitude, la qualité du tissu, impressionnant. Je le dis et je me répète, quand je reçois leurs produits, je suis toujours impressionné par le poids du tissu, entre guillemets. Encore un gage de qualité. À l'intérieur, comme d'habitude, les petites étiquettes normales chez Dior, je ne sais pas si elles sont comme ça ici, elles sont un petit peu style doré chromé, gris doré chromé. Après, on ne va pas traîner, hein. C'est une petite vidéo. C'est vraiment la broderie qui m'a vraiment intéressé. Joli petit t-shirt blanc pour cet été, ça va faire terrible. Allez, suivant petit produit. Allez, t-shirt numéro 2. Alors, moi qui aime bien tout ce qui est Gucci, j'ai réussi à me retrouver celui-ci. J'avais déjà réussi à trouver par rapport à d'autres fournisseurs. Mais là, pareil, on est encore une fois sur un produit top qualité. Allez, pour les petits collectionneurs qui aiment bien tout ce qui est étiquette et compagnie, on a tout. Le petit logo, la petite étiquette sympathique, propre. Je les ai juste déballés, j'ai mis un petit coup de fer pour que ça ressemble entre guillemets à quelque chose. Donc ils sortent quasi du colis. Hein. Hop, je vous le déplie un petit peu. Ici, pareil. Il n'y a pas grand-chose au niveau du dos. C'est vraiment la broderie devant. C'est pas broderie, hein, c'est comment ils appellent ça encore? Un flocage. Mais le flocage, s'il arrive à bouger, je ne comprends pas. C'est franchement une bonne grosse qualité. Au niveau de la couleur, je vois pas de défaut nulle part. Ça n'a pas coulé nulle part. Franchement, nickel. L'avantage avec ce fournisseur-là, c'est quand il le peut, entre guillemets, il vous met toutes les étiquettes. Bon, comme en magasin, entre guillemets. L'aspect est un peu bizarre, mais bon, en attendant, vous avez vraiment toutes les étiquettes comme au magasin. Voilà, deux petits produits. Petite vidéo assez courte. Encore une fois, pour vous partager un petit peu les différents colis que je reçois, entre guillemets. Ici, c'est un petit colis, bah, plus pour me faire plaisir qu'autre chose. La livraison, je ne me suis pas embêté pour dire de être livré assez rapidement, E-EMS. Avantage, livraison rapide, en 12 jours. Inconvénient, ici en Belgique, systématiquement. C'est contrôlé à cause de la TVA par la douane. Donc, bah, systématiquement, vous savez, entre guillemets, que vous avez 21% à devoir payer pour pouvoir récupérer la marchandise. En attendant, les produits arrivent quand même super vite. J'ai jamais eu de soucis au niveau de la douane pour l'instant. Tous les documents sont bien sûr remplis dans les règles de l'art pour justement éviter les contrôles de douane. Donc, tout se passe bien. Un grand merci à tous. En espérant pouvoir vous partager par la suite encore d'autres petites vidéos. Encore une fois, un grand merci bien sûr à tous les petits nouveaux. On s'approche tout doucement d'une centaine de personnes, moi je dis. En ce moment, vous faites très très fort. Un grand merci à tous. On se tient au courant. Ne faites pas les fous et on ne dépense pas trop de sous. Allez, à bientôt. Salut, ciao ciao.